ce club est vraiment plus qu'un club de football. Les Algériens, c'est les meilleurs. Voilà, et que les ambiances en Algérie, c'est les meilleures. Je vais vous montrer ça. Hello à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez ce cadre magnifique derrière moi. Aïe, 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 aïe. Alger la blanche, Alger la magnifique. Bon, un peu brumeuse aujourd'hui, Alger, mais quel bonheur d'être de retour dans mon pays, l'Algérie, pour vivre une expérience de fou, puisque ce soir, match entre l'USMA d'Alger, le club d'Alger, parce qu'il y a deux clubs Alger, il y a l'USMA et le Mouloudia, qui va affronter les Young Africans, une équipe de Tanzanie, pour la finale de la Coupe de la CAF, l'équivalent de l'Europa League, ça va être extraordinaire. Je vais faire d'abord un petit flashback au tout début de cette vidéo, parce que hier, les gens étaient déjà chaud bouillant à Soustara, je suis partie, c'est juste là-bas derrière, à la Casbah. Vous allez voir, les gens, ils étaient déjà en plein préparatif du match d'aujourd'hui. Petit flashback, et on se retrouve juste après, direction le stade, c'est parti. Les amis, on est en veille de match, on est au cœur d'Alger, juste à côté de la Casbah, et regardez comment ils se préparent ici à Alger juste avant un match. On dirait qu'on est déjà le jour du match, mais non, on est un jour avant. Je vais vous montrer comment ça se passe ici. Les gens, ils sont déjà en folie. Vous voyez, c'est déjà unique. Vous êtes le doyen des supporters. Je suis le doyen et le neveu du premier président et le premier fondateur de l'USMA. Je connais le club depuis 62. J'ai commencé à avoir la mémoire d'un adulte. Tu vois. Peut-être le premier trophée. Inch'Allah, que si Dieu le veut. Et vous m'avez dit demain, il y aura plus de 66 000 personnes. Je crois qu'il y aura plus de 100 000. Plus de 100 000, gars. Il y en a qui montent à 8h du matin, à 7h du matin. Il y en a qui vont passer la nuit là-bas. Non. Incroyable. Jetez un coup d'œil au niveau du club, vous allez voir. Et alors, si jamais l'USMA gagne, ça va être une fête incroyable. Ça ne va pas être la fête au village, ça va être la fête dans toute la capitale. Eh ben, et donc dans toute la ville. On a hâte de voir ça. Là, on est la veille et il y a déjà beaucoup d'ambiance dans les rues. Voilà. Vous entendez, regardez, les gens, ils se donnent rendez-vous. C'est... Là, vous êtes dans un quartier, c'est le fief des supporters du Sud. Ouais, c'est le fief. C'est le fief des supporters du Sud. La plupart des supporters du Sud viennent ici. Pour les gens qui ne connaissent pas Alger, comment il s'appelle ce quartier? Soustara. C'est le fief des supporters ici. On n'est pas loin ici pour que les gens y repèrent de la Casbah, c'est ça? Voilà. Babelouet. Voilà. Babelouet est derrière. Derrière. Donc là, on est vraiment dans le centre historique d'Alger. C'est le symbole de Alger Centre. C'est le rouge et noir. Vous êtes supporter depuis tout petit? Oui, exactement. De naissance. Depuis les grands-parents. Déjà pour commencer, il a été créé par des rebelles. Ok. La pyramide du Lafalan à l'époque était probablement à 80% ismiste. C'est un club révolutionnaire. Exactement. Ce club a été créé pas uniquement sur le plan sportif. C'est un club qui a été créé. Avec une histoire de révolution. Ce club a donné beaucoup à l'Algérie. Ouais. Et beaucoup de martyrs. Ce club contient plus de 72 martyrs. Il a été créé en 1937. Juste à la rue. Ici. Ok. Ce club est vraiment plus qu'un club de football. Est-ce que dans les champs, on retrouve ces histoires-là dans les champs populaires? Oui, la spécialité des ismistes, c'est les champs. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Les supporters de l'USMA sont connus pour leurs champs patriotiques. Ouais. Et politique et sportive. Par exemple, la dernière chanson, c'était en Hirak. Ah. C'était l'USMA, c'était notre... J'ai entendu. Oui. La Casa de, ouais, de Moradia. Ouais. En anglais, en espagnol, tout le monde l'a chanté. Et ça venait du club. Ça vient d'ici. D'ici même. D'ici. Ouais. De Soustara, de la base. Et après, c'était Yonamar. Ouais, Yonamar.
le pouvoir. Auparavant, on avait perdu 7 finales de Coupe d'Algérie avant de remporter la première en 81. Mais quand on a pris la première, c'était une vraie chaîne. On a pris 16 titres après. Donc, ce qui concerne l'international, c'est la deuxième finale de ce club. On a perdu la Champions League en 2015. Face au TP Mazembe. Aujourd'hui, on espère que... Et là, c'est une victoire, c'est qualification directe en Ligue des Champions l'année prochaine. Oui. C'est, franchement, c'est un kiff. C'est la vérité, depuis le temps que je veux venir à Alger, et là, pour un moment comme ça, pour une finale, je vois que tout le monde est motivé, tout ça va être magnifique. Ah, vous êtes la bienvenue. C'est gentil. Ah, merci. Un peu la pression ou pas, Chouya? Franchement, on est en train de vivre une grosse pression parce que c'est un moment historique, c'est un tournant pour le club. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'on a une grande histoire avec les finales. Mais oui, c'est ce qu'il me disait. Exactement, donc on sait très bien cette pression et surtout cette ampleur du match de demain. Très important. Exactement. Tout le monde est en train de fêter, mais je pense qu'il y a un gros stress. On sent qu'il y a de la tension, tu vois, c'est la fête, mais... Bah, c'est clair. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'on est en train de vivre un tournant pour le club. Et j'espère qu'on gagnera demain pour l'USMA et pour l'Algérie. Ouais. L'USMA, c'est une idéologie. Okay. En fait, c'est un concept d'idée que... des valeurs, de principes que ce club et ses supporters partagent tous ensemble. C'est ma mère repose, c'est chouïa, mais tu dois avoir fun. Vas-y, je te suis. Je te suis. Foutre-les. Aïe. Ça me dit que demain, les gars, ça va être incroyable. Vous savez pas comment je suis émue d'être là. On repasse le jour d'après. Rendez-vous le jour du match. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que vous êtes en train de regarder la meilleure vidéo de cette chaîne. Et la meilleure vidéo, évidemment, c'est où? C'est en Algérie. Bon, les amis, passage obligatoire. Chercher du ravitaillement pour mon ventre. C'est ça, la graine teta. Dites-moi en commentaire. Les amis, je sais que les Algériens ils connaissent, c'est sûr. Les autres, si vous connaissez pas, c'est du pois chiche. C'est comme un gratin de pois chiche un peu. Dans du pain, c'est excellent, c'est très très bon. Nous les Algériens, on est fans de ça. Il y en a qui l'appellent Keren, Keren Tika, Gren Tita. Bref, dans tous les cas, c'est made in Algeria. Et vous avez aussi la fameuse, la connue, la magnifique pizza carré.
Ça, c'est un autre emblème national, on en a plein ici. Avec ou sans maillot. Donc voilà, direction le stade, les amis. Et j'ai trop hâte, cette journée va être extraordinaire comme cette vidéo, la meilleure vidéo de la chaîne, parce que l'Algérie, c'est les meilleurs supporters du monde. Tahia Jazayel. Thank you.
commencer. Le stade, il est plein, ça y est. C'est plein, c'est magnifique. J'ai pas les mots. Inch'Allah, Merbouba, comment dire, j'espère qu'ils vont gagner. J'espère vraiment qu'ils vont gagner. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Tout le monde est prêt pour un match de fou. Inch'Allah, Merbouba. Vite que le soir il marque pour que la fête reprenne.
Bref, en tout cas, ici, je voulais d'abord souligner quelque chose. C'est que sachez que quand vous arrivez en Algérie, vous allez manquer de rien. Je suis venue au stade sans avoir pris avec moi de quoi manger, etc. Ici, à la mi-temps, tout le monde partage. J'ai un sandwich qu'on m'a donné, mahjeb. J'ai de l'eau, j'ai eu des macroules, bref. Ici, on manque de rien. Déjà, l'hospitalité algérienne, la gentillesse. C'était l'aéroport. J'ai atterri à l'aéroport, on m'a dit, restez que les unités, c'est-à-dire que t'as besoin pour téléphoner, bref. Ici, vous ne manquerez jamais de rien. Bon, pour l'instant, ce qui nous manque, en tout cas, c'est un but, parce que, évidemment, pour le moment, c'est toujours l'USMA qui remporte la finale. Mais attention, ça peut aller très vite. Ils ont ouvert le score sur penalty à la 7ème minute, au tout début du match. Et du coup, maintenant, tout le monde est stressé parce qu'ils sont à un but de remporter la coupe. Et c'est horrible. Donc, il faut vite, il va falloir vite marquer. L'attention, les frères. Le tensiomètre est au maximum.
sais pas si vous entendez derrière moi, mais il y a des klaxons à mort dans tout Alger, c'est la folie. Juste en bas, là-bas derrière, je sais pas si vous voyez, ça s'allume en rouge, il y a des fumigènes partout à Soustala, à l'endroit où j'étais hier. Bon, moi, là, il est quasiment 1h du matin, j'ai mon avion demain matin, je peux pas aller faire la fête dans toute la ville. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Une chose est sûre, je vais revenir en Algérie, le pays de mon cœur qui m'avait tellement manqué. Je vais revenir parce que là, je vous ai montré juste un tout petit aperçu du potentiel algérien. Mais je vais revenir, il y a encore plein de choses que j'ai envie de vous montrer à Alger, à Oran, à Tlemcen, à Constantine. Bref, il y a plein d'endroits et de clubs que j'ai envie de vous faire découvrir, dont la JSK, le club le plus titré d'Algérie. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez de voir de l'Algérie, ce que vous voulez que je vous montre. Je serai aussi de retour en Algérie le 4 septembre, les amis, pour le match de nos Fenech, de nos Verts, voilà, pour les qualifications à la CAN. Ce sera contre la Tanzanie. Donc ce soir, j'ai porté chance à l'USMA contre une équipe qui venait de Tanzanie. J'espère que je porterai chance aussi à notre équipe nationale le 4 septembre. En tout cas, je vous laisse avec cette vue magnifique sur Alger et les klaxons, bien sûr, évidemment, parce que ce soir, c'est la grosse fiesta. Bravo à l'USMA, bravo aux supporters qui ont été adorables, qui m'ont nourri, qui m'ont donné à boire, qui m'ont donné de la force, qui m'ont, franchement, tous les gens que j'ai croisés, grosse dédicace à tout le monde, grosse dédicace à Monsieur Ben Gana que vous avez vu, l'ancien joueur qui était à côté de moi, grosse dédicace à Shakib qui était à côté de moi pendant le match, grosse dédicace aussi aux supporters de Montpellier, de la Paillade qui était pas loin derrière, qui voulait une dédicace, tu vois, je t'ai pas oublié, à tous ceux que j'ai croisés, à tous les sourires, à tous les, franchement, les hommes, les Algériens, les hommes, je vous aime, on est ensemble et je serai de retour très très bientôt. Inch'Allah.